off. Allez, c'est parti. Le leurre est carrément dans les airs. Hein. What? Oh. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode complètement dingue. Je suis avec Pontus de la chaîne Canal Gratis Suède. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous pêchons avec un étang petit. Avec le drone. Avec pour le drone. Brochet gros. Gros brochet. Très gros. Il a bien résumé la situation. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode complètement dingue. On va essayer de pêcher avec un drone, avec des leurres de surface. Je pense que ça n'a jamais été fait. Jamais dans le monde, on a vu ça en vidéo. On a des rats, on a des gros hopper plopper, on a aussi des grenouilles. Et on a fait un système de manière à ce qu'on puisse attacher un leurre au drone. Donc on a mis un baddie en acier, un bout de tresse, et au bout, on va attacher des gros leurres. Et on est dans un lac où il y a du très très gros brochet. Et on va essayer de prendre un big big fish aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes prêts, c'est un épisode complètement dingue. Peut-être que le drone va se crasher dans le lac, on sait pas. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et un maximum de pouces bleus. Et avec Pontus, on est parti pour pêcher du gros brochet. Let's go. C'est parti. Yeah. Boom. Boom. Comme vous devez vous en douter, ce projet nous a demandé des gros moyens techniques, organisationnel et matériel, et c'est pour ça que notre partenaire Plano nous accompagne entièrement dans cette vidéo avec des boîtes spéciales pour ranger le matériel électronique. Donc par exemple ici j'ai mon drone Mavic Air 2 qui nous a servi à faire ce projet. Je peux le ranger dans la boîte, elle a un renforcement en mousse sur les quatre coins, elle a une fermeture sur les trois côtés disponibles, ce qui permet un maintien du matériel exceptionnel, une poignée de maintien ici et également un joint étanche tout autour, c'est-à-dire que si la boîte tombe dans l'eau, il n'y a aucun risque de perdre le matériel, il sera au sec et on peut prendre le temps pour la récupérer. Et nous avons également notre partenaire NaturaBuy qui nous accompagne pour ce projet avec un site 100% sécurisé sur lequel vous pouvez effectuer vos achats les yeux fermés. Il y a un suivi du client comme rarement je l'ai vu. Le personnel est vraiment là pour vous accompagner et même si au bout de 30 jours vous n'êtes pas satisfait de l'un de vos achats, ils pourront vous rembourser sans poser de questions. Et ça, c'est un avantage non négligeable. Vous pouvez mettre en vente vos produits d'occasion sur le site et même les mettre aux enchères. C'est-à-dire que si vous voulez vendre un ensemble 100 €, peut-être qu'il partira à 200 € parce que plusieurs personnes seront intéressées. En tout cas, ce sont tous ces avantages qui font que NaturaBuy aujourd'hui est un site inévitable pour faire ses achats sur Internet. Bon visionnage. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, il y aura Pontus, mais il y a aussi Jonas, qui est un guide ici qui connaît bien le lac. Et du coup, il nous a dit qu'il y avait vraiment du très gros brochet et beaucoup de brochet ici. Et du coup, sur le drone, en fait, on a mis un petit baddie en acier ici avec une grosse agrafe pour que, en fait, on puisse avoir quelque chose de solide en dessous les ailes parce que sinon le fil va monter dans les ailes. Donc là, on a un système qui est plutôt sympa. Et en dessous, du coup, on a attaché la tresse directement sur un émerillon. Et après, on a le leurre avec l'agrafe. Et on a pris des leurres complètement dingues aujourd'hui. Alors ça n'a rien à voir, c'est mon petit moulinet catch monster. On a des leurres comme le rat ou le gros hopper plopper. Alors ceux-là, on va se les garder pour la fin parce que c'est des leurres complètement dingues. Et apparemment, ici en Finlande, ils capturent beaucoup de brochets sur ce genre de leurre. Donc on va garder ça vraiment pour la fin parce que ça peut être des actions de dingue. On va commencer avec ce leurre. C'est une petite grenouille avec une petite cuillère devant. Et ça nage en surface, on va voir si on peut déjà attraper un brochet là-dessus. Et on a pris le flatform aussi, au cas où on a un problème, si on peut aller sur l'eau pour prendre le brochet. Donc on est parti. Let's go Pontus. Yeah, let's go. Yes. All right, let's go. Bon les gars, c'est parti. Le drone est en place, Pontus est en train de le faire voler. Il part avec le leurre et là ça va être intéressant de voir si ça nage bien et on peut attraper quelque chose. The leurre is actually sinking, so we need to. Oh, perfect. Oh, ça... oh my god, oh my god, oh my god. Ça nage trop bien, c'est incroyable. Imagine if we get a strike. What are we gonna do? Oh, oh, right away. Premier lancer. Right away. Like 30 seconds into it. On vient de déposer le leurre à l'eau, avec le drone il a été premier lancé, poisson. Oh. On peut voir, on peut voir les attaques, parce que la caméra elle filme le leurre, c'est incroyable. Regardez comment ça nage trop bien, c'est comme si on ramenait en vrai. Le leurre il nage vraiment super bien, il est juste là, avec le drone qui avance, c'est incroyable. Genre la technique est vraiment incroyable. On peut pêcher tout le lac sans lancer. Genre on fait le tour du lac, on voit où sont les poissons actifs, c'est incroyable. Come on, Pike.
Don't be too big, though. We want to be able to get this one back. Ooh, fish. Oh! You have? We're hooked up, we're hooked up! I think it's off, it's off. Oh my god! Oh! Oh my god, I think it was on. Oh, oh shit! Shit! Oh shit! Tristan almost died here. Come on. Come on. Come on. We know you're here. Oh! Oh! You have? Il a un brochet. Il a un brochet. Il a un brochet. Il a un brochet. Oh! We should go over there and land it. Il a un brochet. Il a un brochet avec le drone. My god. Oh. Il a un brochet avec le drone. Oh my god, we have a pike on the hook. We have a pike on the hook on the buzzer frog. It's like twitching the drone like crazy. What? Nope. Oh. Oh, Jonas, give me the net. Give me the net. Not coming up again. I was like, come on. Battery level is low. Battery level, no. Not sure. Now he comes. It's a pretty decent pike. Come. It's 15% battery. Come on, Jonas. We have one chance. No, it came off. Damn. Came off. Oh, oh. Don't you come off also. Oh, man. All of us. All of us. Did you guys see that? It was crazy. It almost pulled the drone into the water. It was like twitching, like. Donc là, je suis en train d'équiper un autre leurre. Donc on va mettre un Spitfire de la marque Headbanger. Je mets ça pourquoi? Parce que lui, il a des plus gros hameçons et c'était plus dur de piquer le brochet dans la bouche. Alors que ça, il y a des tout petits hameçons. Et comme là, on était tout proche de le capturer. Je pense qu'avec ça, ça devrait être plus simple. C'est un très très bon leurre de surface qui s'utilise ici, notamment dans Perche Pro. Et il y a une bavette de vent spéciale et ça nage super bien. Et on va essayer avec ça. Est très 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 très, cool. Très bien. Oui. Regardez ça. Ça, il y a du big potentiel. Let's Allez, go. C'est parti. Every time. Oh, oh, I had a strike, I think. Oh, you did? Not sure, but. Oh, hurt? I don't know. Oh, a lot of hurt. You have an one. You have a small one. J'ai une perche. Speed fighting. J'ai une perche. J'ai une you perche. You have to net it. Premier poisson. Drone fish. Premier poisson. Premier poisson. Premier poisson sur le drone. C'est un pointeur. C'est une perche. Hey, I couldn't even like, yes! It's the same size as the lure. It's my best perch. Personal best drone. Personal perch. Best perch. Drone, yeah. Ça, c'est du poisson. How is that possible? Same size as the lure. Yeah. Premier poisson. Une petite perche avec le petit Spitfire de chez Headbanger. Bon, c'est pas le poisson recherché, mais ça fait plaisir. C'est mon record en drone, donc ça fait plaisir. Yes! Salut! Salut! Bon, maintenant, on va essayer d'attraper un gros poisson. Oui! On est en train de changer d'endroit. On va aller juste un peu plus sur la droite. En plus, je prends le flot tube et on va mettre le gros hopper plopper là. Parce qu'on a envie de prendre un gros poisson. Et sur le petit Spitfire, on a usé une batterie et on a eu juste une perche. Donc là, on va passer aux choses sérieuses et on va voir ce que ça donne. Ooh, I love it. Okay, now it's precision. Let's go for the big fish. Let's go for the big fish. Oh yeah. Oh, there, pike on, pike on. Oh, so far away. You're lifting it, you're lifting it. Some brochet. Okay, now we need to land this one, Tristan.
Oh my god. Or how do you do it? No, it's okay. He's coming. Oh yeah. Oh, oh. Pike quel... on a muscular. Je sais pas quelle taille il fait, mais il a un brochet. Let's fucking go for it. Yeah. That's quite nice fish too. Oh, oh. Oh, there we go! Yes! Mission accomplished, man! Yes! Yes! Bon, mesdames et messieurs, Pontus vient de capturer le premier brochet en drone sur le leurre à muscu. C'est complètement dingue. Donc là, je pense que ça va être à mon tour après. Je vais essayer vraiment de capturer un beau brochet. Je pense qu'on peut en capturer un plus gros, mais c'est vraiment incroyable. Le brochet fait peut-être 65 cm. Pêché dans la nouvelle zone. On a rejoint une nouvelle zone avec des herbiers. Et je vais essayer d'en capturer un gros, mais c'est incroyable. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est juste fou. Yeah, let's put it back. Yeah, let's put it back. Yes! So now it's your turn, Tristan. Yeah. It's your turn to catch a bike. Yeah. Flipping coins about what's to come. It starts getting cold. Allez, c'est parti. Je vais retourner dans la zone où Pontus était tout à l'heure. Il était juste en face dans les herbiers. Le leurre est carrément dans les airs. Hein. Je l'emmène carrément sur le spot. Ça va plus vite. Je vais le déposer là-bas. Hop, là je le dépose. Le leurre est dans l'eau. Et c'est parti. Oh, crazy. That's perfect. Oh! Poisson! Poisson! J'en ai un! Beau poisson, Pontus! Good fish! Good fish, Pontus! Not really good, but. C'est un brochet! There you go! Non, il est pas très gros! Oh la vache! L'attaque de ouf! Comment tu fais, Sam? Allez! Allez. Yes! There you go. Yes! Boom! So cool! Yes! I'm filming in super slow-mo with this one as well. Oh! Oh yes! Mon premier brochet en drone, les gars! Incroyable! Incroyable! Regardez ça, les amis! Un brochet en drone, c'est incroyable! Genre, ça fait 3 batteries que j'utilise, j'ai pris que des petites perches, et là, ça y est. Gros broc sur le leurre à muscu, c'est incroyable. C'est... J'ai pas de mots à rajouter, un brochet avec un leurre en drone, c'est juste incroyable. On va le décrocher et puis on va le relâcher dans l'eau parce qu'il est pas... Il fait chaud. Oh shit. Bon, bah il est reparti. Bye bye. Bye bye. What to say? Nice. Good work. So nice. Good work. Freaking good job everyone. Oh yes. Bon mesdames et messieurs, il est temps de repasser aux choses sérieuses avec Pontus. On va enlever le whopper plopper parce qu'il nous a ramené quand même deux gros poissons, enfin deux beaux poissons. Et là on va passer sur le rat, c'est vraiment le leurre que j'avais envie d'utiliser en drone parce que c'est un truc de fou qu'on ait réussi à capturer des poissons. Mais maintenant sur un rat ça serait extraordinaire. Pontus va commencer, il nous reste 80% de batterie sur le drone, on va faire 50-50. 40% Pontus, 40% moi, et c'est les dernières minutes et on va essayer de capturer un gros poisson. You ready? Yeah. Let's go. So ready. It's good? Yep. Nice. C'est parti, les derniers pourcents de batterie. Get the big one out this time. Oh, that was, I think it was a fish. Oh, yeah, it was a fish. Oh. It was a fish. Do you have it on? No? No. But that was clearly a fish. Je suis en train de regarder les vidéos avec Pontus et on a vu les touches que j'ai eues là-bas, j'avais un brochet. J'avais un brochet sur le rat. Purée. Oh putain. J'avais un brochet sur le rat. Putain de projet. What a strong man. Bon mesdames et messieurs, on est en train de changer d'endroit. On va aller chercher un autre spot où il y a sûrement pas mal de brochets qui n'ont pas encore vu de leurre. Et on va essayer de prendre un gros poisson sur le rat parce que j'étais tout près d'en capturer un. Donc là on va aller sur un autre spot et ça devrait être pas mal. Oh
That's our backup option. Last chance now, Tristan. Last chance. Come on. See you, my little rat. Oh, so good. Yes, fish on. Yes. Is it on? No. Oh, j'ai pris une grosse attaque. Oh. 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 Une attaque. Oh. Oh. Again. Encore. J'ai pris deux attaques. I found right place now. Incroyable. Come on. It's okay. Done. Ah. Finish. Finish. Oh. How many strikes did you miss on the rat? Three strikes on this spot. It's crazy. No fish, but it was so fun. Mesdames et messieurs, c'est définitivement la fin de cette vidéo incroyable. J'espère que vous l'avez appréciée. C'était vraiment proche de prendre un poisson sur le rat, mais on a loupé. Et puis c'était incroyable. Yeah, this was absolutely insane. It was so much fun to do this video. Yeah. N'oubliez pas le pouce bleu, à vous abonner. Ciao. Ciao. What? No. Oh. Can someone get? You want us? Give me the net. Give me the net.